travail à l'hôpital, moins d'heures de repos. Pour beaucoup de personnes, il y a eu des congés qui ont été supprimés pour pouvoir rester auprès du malade. Et c'est normal. Tout le monde a été heureux de le faire parce que c'est notre métier, on a signé pour ça. Mais il y a un moment donné où il faut se rendre compte que cette situation, elle ne peut plus durer. Et que même maintenant que le Covid commence doucement à s'atténuer, on a encore beaucoup de problèmes dans les hôpitaux. Donc c'est pas juste un problème lié au Covid, c'est un vrai problème de fond. On a vraiment des services qui sont fermés faute de personnel et ça, c'est pas possible. Des moyens financiers qui permettent d'avoir des moyens humains par la suite. Donc ça passe par les deux casquettes. Donc il faut une revalorisation de tous les secteurs précaires des soins de santé et il faut engager du personnel. Pour engager du personnel, il faut des sous. Donc les deux sont vraiment liés. En institution, en service de santé mentale. Tous amis médecins assistants, tous les médecins. Mais surtout et avant tout, parce qu'on est des hommes. Thank you.